moi j'ai envie de manger des choses. Il y a des diablotins qui m'en empêchent. Ah, les voilà qui arrivent. Avec vos visages de coq, vous allez me sentir aujourd'hui. Mais que se passe-t-il ici? Il n'y a personne dans cette maison qui peut me répondre. Pourquoi les enfants courent comme s'ils ont vu un lion? Baisse le ton. Baisse le ton si tu ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Quand ma femme me prépare des repas succulents que je dois déguster, ils prennent la responsabilité de les finir avant moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, donc c'est à cause de la viande que tu es en train de guiser le coucou contre les enfants? Mais jure tes paroles, hein. Il faut tourner ta langue 7 fois de ta bouche avant de parler. Je ne leur interdis pas de manger. Mais il faut qu'ils me demandent avant de le faire. Bien donc, si je vous ai invité, c'est pour deux raisons. D'abord, Agbeko. C'est toujours toi. C'est toujours toi. À chaque mois, c'est Agbeko. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont réussi à leurs examens. Enam au BPC et Kojo au CPD. Et alors, ma joie, elle est profonde. Parce qu'ils ont réussi. C'est aussi mon désarroi parce que par rapport à leur prise en charge, je vous ai convoqué pour voir si vous pouvez m'aider en m'aidant à payer leur scolarité. Par rapport à mes moyens, j'ai donc décidé d'inscrire Kojo à l'école et de laisser sa soeur Enam à la maison. C'est une décision amère que je suis en train de prendre. Je voudrais que ma fille aille aussi à l'école. Je suis prête à me sacrifier pour elle. De quoi une femme a-t-elle besoin? Sa place se trouve au foyer. Et nulle part ailleurs, hein, l'inscrire à l'école, c'est prendre de l'argent et le jeter par la fenêtre. Hein. La mariée. Quel sacrilège. Agbeniga, depuis quand tu as donné cette voix à ta femme de prendre la parole quand les hommes de la famille se réunissent pour une réunion? Justement, hein, justement, je ne comprends pas comment ces soi-disant femmes extrapolent nos us et coutumes en faisant de la prise de décision leurs affaires. Hein. Et moi, je ne vais pas tolérer ceci de mon vivant. Je suis d'accord avec toi. Hein? Vous voulez qu'on envoie une fille à l'école pour y foutre quoi? Combien de filles de ce village n'y sont pas allées? Dites-moi, qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui? Dites-moi, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Si j'ai bonne mémoire, même Ayaba. Ayaba, c'est qui vend les oignons aujourd'hui. Elle est revenue les yeux dans les orbites. La peau collée à ses os. Les dents en l'air comme une chienne arrachée. Comment vous pouvez parler ainsi? Le temps où une fille à l'école ne sert à rien est révolu. Hein? Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Et tous les enfants doivent aller à l'école. C'est ça. Surtout les filles. Pas ici. Pas dans cette famille. Quand toi tu as fréquenté jusqu'à la CM2, qu'est-ce que tu nous as fait dans cette famille? Tu m'as une fois payé sur la vie même à boire une verre. Tais-toi. Ça m'inquiète que de nos jours, les gens ont des idées si primitives. Le monde évolue, je crois que la pensée des hommes aussi. Il faut faire une rupture intégrale avec les pensées primitives. Toi, dis-moi, quel âge as-tu? Hein? Quel âge as-tu pour nous parler sur ce ton? Père aussi. Tuer l'enfant? Si tu as des pouvoirs magiques, utilise-les pour que nous ayons de l'argent. Moi, je suis parfaitement d'accord qu'Enam poursuive ses études et qu'on l'inscrive dans un lycée. Mais mon handicap est tel que j'ai trop de charges et mon maigre salaire ne me permet pas de pouvoir vous aider. Oh mon Dieu! Ne me laisse pas tomber. J'ai tellement confiance à toi que je ne peux pas supporter que tu me laisses seule. Je ne veux pas que ma fille subisse le même sort que moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le bon Dieu ne t'abandonnera pas. Hein? Si personne ici ne peut t'aider,
Moi, je le ferai. Oh, alléluia. J'amènerai Enam en ville et je l'inscrirai au lycée. Merci, hein? Enam, tu es prête? Oui, tante. On va y aller. Hein? Okay. Bon, dis au revoir à tes parents, à tout le monde. Tu vois très bien, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas toujours les mêmes prix. D'accord? Je ne suis pas ton égal. Je pensais être la meilleure dans la classe et puis tu m'as dépassée. Ma chère Enam, ne te mets pas dans cet état. La note ne vient pas de nous. Comment ça? Au fait, c'est une note NST. NST, c'est quoi? Ça veut dire note sexuellement transmissible. Elle va me sentir cette classe. L'échec de son cours lui a coupé l'appétit. Je vais la renvoyer. Si elle n'a nulle part où aller, elle saura comment la vie est dure. Léa! Léa! Yes! Wallahi! Jure vous bien, tu as changé de position. Gare à toi! Si tu changes encore de position, tu seras viré. Tu me comprends? Oui, monsieur. Ah ah! Tu ne vois pas ta soeur? Hein? Tu vois pas? Elle a changé de position. En tout cas, tu es viré. Moi, je suis fatigué de toi. Hé! Hey! Qui t'a donné l'ordre de manger mon ignam? C'est ce que vous avez l'habitude de faire tout le temps. Pardon, tanti. Viens, je vais te virer. Je ne vais même pas te payer. Oh, pardon, tanti. Imbécile, si vous aurez du village là, on va accepter, vous faites de n'importe quoi. Tu sais combien ça m'a coûté là-bas? Pardon, tanti. Hein? Et je suis là justement pour remettre de l'ordre. Je suis venu pour dire non. Je suis là pour soutenir la paix de la récréation. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est mon oncle. Tu es plus qu'une amie pour moi, mais je t'ai offensée. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai découvert la vérité et je m'en excuse beaucoup. Mon mari et ma jalousie m'ont trahi et je le regrette énormément. Je veux aussi que toutes les filles aillent à l'école